Bonjour, je vous retrouve pour le télémètre laser Zamo, donc il arrive l'ancienne boîte. Mon pack était compris avec deux accessoires, il y en a un troisième qui existe avec un mètre ruban. Et la principale spécificité, c'est qu'il est vraiment très petit, très compact. On le voit bien. Donc les piles sont fournies, là j'en ai mis d'autres dedans, hein. C'est deux LR03, j'ai mis les miennes dedans. Et on a un petit temps de décalage quand même à l'allumage, puisque il suffit d'appuyer une fois, on appuie, on voit le on, mais on attend quand même 2 à 3 secondes. Ensuite on a tout de suite la mesure, on voit le point laser, hein. On le plaque contre son mur, on appuie, on va avoir la mesure qui s'affiche. Ensuite, si je veux aller dans l'autre sens, faire une mesure, j'appuie et je double-clique rapidement et j'ai la mesure de la surface. Il faut être rapide, mais on a la superficie qui s'affiche ainsi. Donc ça, c'est plutôt pratique. À noter qu'on part bien du bas de l'appareil. On n'a pas la possibilité de changer quoi que ce soit en fait. Hein. Donc là, on part du bas de l'appareil. Et on va jusqu'où va le point. Alors c'est uniquement en intérieur, en extérieur ça fonctionne pas. J'ai essayé, le capteur se perd et ça marche pas du tout. Et on va le voir là, c'est 15 cm. Hein. On arrive à 15 cm, voilà. Donc maximum 20 mètres et minimum 15 cm. Donc au point de vue des accessoires, eh ben, on va retirer le ticket de chaud. On va mettre par exemple un niveau et du coup on va pouvoir, là moi je vois mon petit niveau, je le penche comme je veux et puis on va pouvoir justement incliner pour avoir le niveau, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, comme ça on va pouvoir avoir sa ligne bien droite, donc ça c'est toujours pratique, hein. Un autre ustensile, alors ça c'est pour tout simplement mesurer sur des surfaces non régulières, donc là ça indique 0, donc je commence comme ça et en fait on roule et on va avoir sa mesure, et c'est pour plus fait pour des textiles ou des canapés ou des petites choses comme ça, donc il suffit, on passe et ça mesure. Donc voilà, ça peut toujours être pratique en fonction de ses besoins. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots, hein. Ça va pas plus loin, après on reste appuyé pour l'éteindre ou il se coupe tout seul au bout de 5 minutes environ. Donc vraiment côté pratique, hein, compact et tout. Par contre on a des appareils beaucoup plus complets qui vont plus loin, qui s'utilisent en extérieur et qui sont au même prix, voire un peu moins cher même si on prend pas de la marque, hein, et qui permettent des mesures beaucoup plus complexes et complètes. Donc à voir vraiment en fonction de ces possibilités là, c'est vraiment un appareil qui s'utilise simplement et destiné en intérieur, voilà, qui prend pas de place. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur cet appareil. Merci, bye bye.